Coucou tout le monde, c'est Mada, chaîne Les Loisirs de ma naissance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un tuto de Noël et du coup avec ce nouveau bloc de Noël de cette année. Donc, on va faire encore une suspension pour le sapin. Du coup, il vous faudra des feuilles craft et des feuilles vertes ou rouge, c'est comme vous voulez. Et vous devrez faire des ronds avec à l'aide d'un dice qui fait 6 de diamètre. Voilà. Donc, j'ai coupé 10 ronds dans les feuilles craft et j'ai coupé 10 ronds dans les feuilles vertes. Voilà. Donc, il vous faudra aussi du ruban pour faire la tâche. Il faudra des clochettes pour mettre en dessous, des pinces pour attacher et de la tachiglue. Voilà. Donc, celle-ci vient de chez Action. Et normalement, ce sera tout. Voilà. Et aussi le pliloir pour bien faire vos plis. Donc on va commencer. Donc rien de plus simple. Il faut juste plier en deux les deux. Donc tous les crafts et toutes les vertes. Et avec le dessin à l'intérieur. Quand cela est fait, on vient coller ici. Donc je vais commencer avec la verte. Donc on vient coller, on vient mettre un petit peu de colle ici au milieu. Et on vient coller l'autre par-dessus. S'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave. On viendra l'essuyer après. On passe avec le pliroir dessus pour bien que la colle s'imprègne. Voilà. Et du coup, ça fait ceci. Voilà. Ici, je vais repasser avec mon chiffon. Puis. Ouais, puis on prend, on remet de la colle et on vient mettre la verte par-dessus. Et on fait ça avec toutes les autres. Voilà, enfin le dernier. Donc,
On appuie bien dessus. Bon, ça fait de l'épaisseur. Hein. Donc s'il faut, vous mettez une pince pour maintenir pour que ça sèche bien. En prendre une autre. Voilà. Je vais attendre encore un petit peu vu que les collations, elles sont pas mal pour un petit prix, mais elles ne collent pas assez fortes. Donc de toute façon, après, je vais utiliser une autre marque de taquiglu. Voilà. Et du coup, ça doit vous faire ceci. Voilà. Donc vous pouvez ou bien la laisser comme ça, qui est très jolie aussi. Mais moi, je vais la faire différemment. Donc, je vais juste en reprendre. Et du coup, pour faire mon modèle, je vais mettre la première feuille de la colle ici. Donc le craft, ce sera en dessous. Et le vert, ce sera au-dessus. Vais juste ouvrir la colle. Allez, c'est parti. Donc, évidemment, il faut que ça descende. Donc, on le met un tout petit peu. Et puis, on en met ici sur le verre un tout petit peu aussi. Et puis on ferme. On appuie dessus pour que ça colle. On recommence l'opération. Et s'il faut, sur chaque, disons, 4 volets, on met les pinces, on attend un peu que ça sèche et puis on recommence l'opération parce qu'il faut vraiment bien que ça adhère parce que sinon après, ben, ça va pas donner ce qu'il faut. Donc voilà. Des pinces et on attend encore un petit peu. Voilà, maintenant on va voir ce que ça va donner. Et voilà ce que ça donne. Et comme j'avais dit, c'est pas bien collé. Voilà, vu qu'il ne voulait pas à cet endroit-là, ben je l'ai fait avec la colle chaude. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, on va voir si ça se referme. Et ça se referme bien. Donc voilà. Donc ça donne ceci.
Donc n'hésitez pas à le faire avec la colle chaude si maintenant il y en a un qui a décidé qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas coller du tout. Bon voilà. Donc ici, je vais mettre une pointe de colle chaude tant qu'on y est. Là aussi. Je vais venir prendre la pince. Voilà. Ah ben, et ça a craqué dans l'autre. À cause de la pince. C'est pas grave. Hop, on remet vite de la colle chaude et hop. Voilà, ni vu ni connu. On va juste enlever. Ce qu'il y a comme truc. Comme colle. Et voilà la petite suspension. Donc maintenant, c'est bien, on a tout attaché. Mais maintenant, il faut faire passer le fil à l'intérieur. Donc, on va fermer déjà ça. Ce serait cool. On va prendre le ruban. Il est haut pour ouvrir. On va prendre une clochette. On va le faire passer dedans. On va le replier sur lui-même. Voilà. Le mettre au milieu. Comme ça, c'est fait. On va le faire passer à l'intérieur. On viendra couper par après. Donc là, ça va pas passer comme ça. Donc moi, je vais m'aider d'une d'un truc que j'avais fait avec ma fille qui a une pique à brochette. Voilà, on vient mettre la clochette et ici j'essaie de faire un petit nœud. Allez, on vient. Alors, on y est presque. Voilà. On essaye de le mettre plus au-dessus possible. Voilà. Et ici, on vient couper le surplus. Voilà. Là, s'il faut. Je viendrai mettre de la colle chaude. Et voilà, la suspension, elle est faite. Donc je pense même que je vais changer de ruban et je vais en mettre
un autre un peu plus long. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça donne ça. Donc voilà. Donc quand il y en a un qui vous embête et qui n'a pas envie de rester collé, eh bien vous mettez de la colle chaude. Et si je vois que ça commence à vouloir se détacher, eh ben je vais mettre des pinces tout autour. Comme ça, je suis sûre que ça collera encore un peu. Et je laisserai bien sécher par après. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Mais du coup, ça donne ceci. Voilà. Donc celle-là, elle est bien faite, mais bon, j'ai pris beaucoup plus de temps à la faire et j'ai laissé bien poser pendant au moins 1 heure. Voilà. Donc je l'ai fait en rouge et craft. Je l'ai fait en rouge et vert. Voilà. Et alors, j'en ai fait une toute petite, comme ceci. Voilà. Mais là, j'ai pas fait les volets comme ici, parce que là, ça fonctionne pas quand c'est petit comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!